Bonjour les tupes addicts, c'est Jujutu pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais vous faire une brioche dans ce super moule à brioche. Je ne sais pas si vous le connaissez. Voilà. Il est déjà humidifié, il est déjà prêt à recevoir la préparation, c'est pour ça. Vous remarquerez que ma grille, elle est ici, puisque mon four préchauffe sans la grille, comme d'habitude, pour éviter les chocs thermiques avec mon produit. Pour cette recette, vous avez besoin de 200 g de sucre, un sachet de levure chimique, un sachet de sucre vanillé, 40 g de beurre, 4 œufs, 250 ml de crème épaisse et 250 g de farine. Pour cette recette, je vais utiliser mon Speedy Chef 2. Vous allez voir, c'est une recette super rapide. On va d'abord y mettre les poudres. Donc, la farine. Le sucre. Et la levure. On va venir les mélanger. Pour bien les incorporer les unes aux autres. Maintenant que c'est fait, on va ajouter les œufs, la crème et on va venir mélanger le tout. Toujours en vitesse 2 et on mélange. Doucement, longuement. Jusqu'à avoir une préparation homogène. Une fois que c'est fait, on va venir répartir cette préparation dans le moule et on va enfourner pendant 40 minutes avant dégustation. Voilà, la préparation est parfaite. Voilà la texture de la pâte à brioche. Donc maintenant, nous allons répartir cette préparation dans le moule. Voilà, on va venir mettre des petits morceaux de beurre. Et du sucre vanillé. C'est terminé! À la rapidité où on fait une brioche, il n'y a plus de raison d'acheter de la brioche industrielle, hein, ça va tellement vite. Hop, voilà, je vous montre les résultats dans quelques minutes. Maintenant, ça va partir au four pour 40 minutes à 200 degrés. Voilà la brioche tout juste sortie du four. Place au démoulage. Et ben voilà, une jolie brioche. Impeccable. Elle a l'air excellente. Il n'y a plus qu'à déguster. Je vous donnerai mon avis. À très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez également rejoindre mon groupe Facebook ainsi que ma page internet en descriptif en bas de cette vidéo.